Eh bien, salut tout le monde, c'est Moonwalker. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je suis sur la route, sur une aire de parking, en train de vous faire le commentaire comme un gros cassos. Normalement, la vidéo que vous devriez voir, normalement, ça devait être une vidéo spéciale, comme je vous avais dit hier. Mais malheureusement, j'ai eu un petit problème technique, donc j'ai pas pu la faire. Donc, au final, c'est une autre vidéo. Mais bon, au final, elle est quand même assez spéciale, vu que c'est ma sortie. Putain, nique ta mère, Ram. Nique ta mère. C'est une vidéo assez spéciale quand même, parce que c'est la centième quand même. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai tout dit dans le gameplay par rapport à ce que je pense par rapport à quand même. De toute façon, je pense que vous savez déjà ce que j'en pense et j'ai déjà dit dans d'autres commentaires. Donc voilà. Mais voilà, désolé, la vidéo spéciale, on va dire, elle sera pour demain si tout va bien. Mais voilà, donc une vidéo par jour jusqu'à Advanced Warfare, peut-être même deux vidéos par jour parce que si je continue à faire, si je refais des gameplays, ça va être tendu. Donc à voir, franchement, ça va être tordu, oh le bordel, ça va être le bordel. Enfin bref. Et deuxième chose que j'ai à dire, ça s'adresse aux personnes habitant dans les alentours de Saint-Quentin ou sur Saint-Quentin, parce que vu que j'ai une semaine de vacances là, bah là je suis sur la route, je reviens à Saint-Quentin. En fait, comme vous le savez, malheureusement pour moi, j'ai deux PS3 et j'essaye d'en vendre une depuis je sais pas combien de temps. Donc si vous êtes intéressé par une PS3, donc avec une manette, deux jeux, le câble bien sûr, plus un micro PSN avec un bon prix en plus. Donc voilà, mettez-moi un petit commentaire ou un petit message privé sur YouTube si vous êtes intéressé. Ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé aussi, hein, qui est dans ces alentours-là aussi. Deuxième chose, c'est par aussi au bug de ma manette PS4. Donc si vous êtes sur Saint-Quentin, que vous êtes sur PS4 et que vous avez une manette au cas où pour me prêter pour voir en fait, parce que le bug, franchement, je ne comprends rien du tout à mon bug manette pour ceux qui ont déjà vu mes dernières vidéos et qui me suivent aussi sur Twitter. Hier, pour vous dire, hier, pendant un quart d'heure, ça faisait que bugger, et d'un coup, pendant 1 heure, ça buguait plus du tout. Puis après, j'ai rejoué le soir, ça buguait. J'ai même passé pour tirer en jouant avec les gâchettes derrière, alors que d'habitude, je jouais avec R1 là, parce que tellement mon R1 il bug, ça fait bugger toute la manette. Donc voilà, pour vous dire, même j'ai même réussi à faire un gameplay, je sais pas si je le mettrai, mais sans courir, sans pouvoir courir, parce qu'en fait, mon R1 fait bugger toute la manette. Bon, je pouvais tirer avec mon R2, bien sûr, vu que j'ai changé avec les gâchettes, mais complètement usé. Je pouvais pas courir toute la game, mais vous pouvez pas savoir à quel point c'est tendu pour un rusher de pas pouvoir courir. C'est comme si tu coupais les mains, tu coupais les pieds à un footballeur. C'est un truc de fou. Enfin bref, je sais pas si je le mettrai. Là, pour vous dire, ce matin, j'ai joué 1 heure, aucun bug. Donc franchement, je sais pas à quoi c'est dû. Si c'est au jeu, pas ou la manette, j'en sais rien du tout. Donc voilà, il me faudrait une autre manette de test pour voir si ça le fait avec une autre manette. De toute façon, là, j'ai ramené la play pour chez mes parents, donc on va tester voir si ça le refait ou pas. Parce que j'aimerais bien quand même avoir une manette opérationnelle pour le nouveau Call of. Donc voilà, donc dites-moi un peu tout ça dans les commentaires. Et puis voilà. Donc si le gameplay vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu hein, si vous avez aimé, et de la faire partager comme d'habitude et de vous abonner pour les nouveaux pour plus de momos. Et puis moi, je vous laisse avec le petit gameplay. Il est pourri, mais c'est bien quand même. C'est bien quand même. Enfin bref, allez. Sur ce, moi je vous laisse. Profitez bien. Et puis moi je vous dis à demain pour une vidéo spéciale. Enfin, je vous dis à demain. Ça dépend quand vous regardez la vidéo, bien sûr. Allez. Salut les potes. Oh le fils de pute. Bravo! IMS at your disposal.
securing Bravo. Sentry gun ready for deployment. SATCOM active. C'est chaud là. Ah, je suis obligé de prendre ça, tu sais. Putain, là, je sais pas, contre, ils vont spawner là, ces enculés. Si je chasse, tu es mort. Quand même. Allez, je me casse, moi. C'est bon, ça me saoule. Allez, c'est la centième. Normalement, c'est une fois de bêtises. Youhou, 100 quand même. Je suis trop fort. C'est des gros campeurs, hein. C'est comment qu'il s'appelle? Ok, 15-12, c'est bien. LOL. Destroy the Sentry Gun. LOL. Your sentry gun is ready. We
Snap! Il est toujours là-haut, lui? Solent. Oh, oh là là, ce que je me prends. C'est nimp, les potes. Bon, sinon, je suis très ému d'avoir débloqué ma centième quand même. Je suis vraiment tout émoustillé. Ça me fait quelque chose, franchement. Je m'y attendais vraiment pas. Ça fait tellement longtemps que je l'attends, ce sommet. Je sais pas. Je suis perturbé par l'émotion. Je sais plus quoi dire. C'est tellement intense, c'est tellement. C'est moi. Putain! Il s'est passé quoi? Stop! Bon. On va quand même pas l'oublier de l'activer, hein, sinon. Trop fort. Non, je déconne, hein, bien sûr. Et je déconnais aussi en disant que j'étais ému. Si je jouais un peu plus pour les KM, j'en aurais tellement, tellement, tellement. Mais comme vous savez, je m'en bats les couilles des KM. Si je voudrais, j'en ferais une à chaque game, mais je m'en fous. Parce que la KM, ça sert à rien. What the fuck? Comme lui, il sert à rien. 100 points! Oh, je suis chaud, là. Je suis chaud. En tout cas, j'espère que cette centième KM de merde vous a plu. Ah, oh, la KM. Truc qui sert à rien. Oui, j'ai même pas eu besoin de jouer les positions tranquille. Il est 2h du matin. J'ai cours c'est à 8h, je dois me lever à 7h. Tout il était magnifique. En tout cas, voilà. J'espère que ce gameplay vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, comme d'hab, de faire partager, de vous abonner, et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!